On va se rassembler pour notre traditionnelle messe chrismale. C'est un rendez-vous de Dieu avec les hommes. Un rendez-vous entre Dieu et son peuple chrétien. Chaque année, Dieu est prêt à nous donner ses grâces de façon visible. Il est prêt à nous donner son sang à travers les sacrements. Et la bénédiction des huiles en est le témoin par excellence. Sans ces huiles, en effet, frères et sœurs, on ne saurait faire beaucoup de sacrements. Car la majorité de ces sacrements se fait à travers les huiles. Et dans le contexte de la Semaine Sainte, dans notre marche vers la passion, mort et résurrection du Seigneur Jésus, toutes ces grâces nous sont offertes à travers la célébration de la messe chrismale. Et tout cela se réalise aujourd'hui, le mot-clé de ma méditation. En effet, frères et sœurs, l'évangile de Luc nous présente Jésus à Nazareth, précisément dans la synagogue, un lieu saint, un lieu privilégié et réservé à la prière commune. Précisément aussi le jour du sabbat, c'est effectivement un rendez-vous entre Dieu et les croyants, entre Dieu et son peuple. Qui donc ne serait pas là? Jésus, le Verbe de Dieu, sa chair est là, en présence. Et il se lève pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous assistons alors à un face-à-face entre l'ancienne parole de Dieu, tirée du dit plutôt Isaïe, c'est-à-dire le troisième livre du prophète Isaïe, face-à-face donc entre Jésus et cette ancienne parole. Isaïe, le prophète, alors, tout en annonçant la proximité du Seigneur, promet une alliance éternelle à son peuple, après les péripéties de la déportation et de l'exil. Frères et sœurs, la promesse étant une dette, Dieu va donc la réaliser. Dieu n'est pas un homme. Quand il promet, il fait. Dieu ne dit pas de mensonges. Ce qu'il dit, c'est vrai et ça se voit. Le problème, c'est quand est-ce que Dieu va réaliser cette promesse? Comment est-ce que Dieu va réaliser cette promesse de l'alliance éternelle et par qui? Lorsque nous posons la question de savoir quand Dieu fera quelque chose, quand Dieu réalisera sa promesse, alors on parle de kairos, le fameux mot kairos que vous entendez de nos jours à tort et à raison. Le kairos de Dieu est donc arrivé une fois pour toutes avec son Fils Jésus-Christ. À travers lui, Dieu réalise effectivement sa promesse. Jésus le dit lui-même dans l'évangile de ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Puis il ajoute, aujourd'hui même s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Frères et sœurs, Jésus lui-même vient de répondre à la question comment Dieu réalise sa promesse. Tout simplement, c'est à travers sa personne,
à travers sa vie et ses œuvres, dont le point culminant est l'alliance éternelle scellée en son sang entre Dieu et les hommes. L'alliance est éternelle et en même temps elle se réalise dans l'aujourd'hui de Dieu, selon les paroles mêmes de Jésus rapportées par l'évangéliste Luc. En effet, Luc affectionne le mot aujourd'hui, que lui seul sait très bien situer dans le plan de Dieu, et surtout dans la mission salvifique de Jésus. Nous avons à titre d'exemple, aujourd'hui vous êtes un sauveur, phrase que vous reconnaissez à l'annonce faite au berger. Il y a une autre formule qui dit, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive chaque jour. C'est une formule qui rend l'expression chaque jour à la compréhension de aujourd'hui. Au bon moment, Jésus dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mon cher peuple de Dieu qui a grand bassin, chers frères et sœurs, mes chers pères, je vais atterrir. Cette alliance nouvelle et éternelle, qu'est le signe visible de la présence de Dieu, mise de façon palpable à notre disposition, dans un rendez-vous quotidien, s'accomplit à travers vous, les prêtres de Jésus-Christ et de son Église. Mes chers pères, la présence de Dieu, captée, préservée à l'état brut, épuisé à la source pure, est déposé entre vos mains. Parce que c'est vous qui avez été consacré par l'onction. À travers vous s'accomplit chaque jour l'aujourd'hui soteriologique de Dieu. Parce que c'est vous qui êtes effectivement consacré. Quelle dignité s'assonne-t-elle dans un monde où le profane conquis de plus en plus de terrain au détriment du sacré? Cher Père, vous êtes le socle de ce peuple de rois, ce peuple de prêtres, cette assemblée sainte qui est l'Église famille de Dieu. Ce n'est qu'un simple rappel, je n'ai pas d'exhortation à vous faire ce matin. Que le Dieu de Jésus-Christ soit loué et glorifié à travers l'aujourd'hui de votre ministère. Amen.
gardent les uns les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir.
Dernier béni sais-tu. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, et comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ordinatus ex et lorsque venu la plénitude des temps,
Tu lui as donné tout état, tout son éclat dans le Christ que tu as présenté comme ton fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, vit sauver les gens humains dans le mystère de sa Pâque et les remplit son Église sainte avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du Salut. Depuis, par le mystère du Saint-Père, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être réunis dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ, et participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et sur les objets marqués de cette huile sainte. Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore l'Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude. Pour toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint et pour les siècles des siècles. Amen.